Yao Kouassi Gervais a retrouvé les éléphants. Il a été appelé en renfort par le sélectionneur national Marc Vilmort pour pallier la défection de Wilfried Zaha, blessé en club et qui était à Liège ce lundi pour faire constater sa blessure. C'est la même ambiance, c'est qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a des nouveaux jeunes qui sont arrivés, avec qui il faut les remettre sur le chemin, oublier un mauvais souvenir qu'on a vécu il y a quelques mois. Bon, voilà, on est reparti sur un nouveau départ avec une nouvelle façon de voir les choses et aller sur une autre direction pour pouvoir encore développer le football ivoirien, surtout l'équipe nationale. Son retour coïncide avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur auquel il faudra s'habituer. Déjà, c'est de mettre le nouveau staff qui est arrivé, le coach et son staff dans la tradition ivoirienne, africaine, parce que c'est nouveau pour lui. Après, intégrer les jeunes aussi. Comme je le dis, il faut plus se focaliser sur tout ce qui s'est passé. Donc, intégrer les jeunes. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite nation. Voilà, quels que soient les joueurs qui viennent, qu'ils sachent que il y a un grand défi à relever avec la Côte d'Ivoire. On espère qu'il sera au top de sa forme pour apporter une plus-value aux éléphants pour les échéances futures. Je suis déjà content de pouvoir revenir sur le terrain de foot après quelques longues blessures, ça fait du bien. Je vais commencer petit à petit au niveau du rythme parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas joué. Voilà, c'est un bon match test contre la Hollande. Après, il y a la qualification de la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire. C'est un match amical, je pense qu'on a envie de gagner, mais le plus important, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique qui arrive. Donc on va bien se mettre en confiance pour ce match de dimanche. L'autre renfort de Vilmort, c'est Gouibi Syriac. Depuis le dernier match, on attendait ce moment de retrouver la sélection. Et là maintenant, c'est fait, voilà, ça fait toujours plaisir. L'attaquant de Fulham, qui a été déterminant face au Sénégal en amical en mars dernier à Paris, est arrivé pour gonfler le bloc offensif des éléphants. J'ai apporté mes qualités à l'équipe pour ces deux matchs, ce match amical et le match de compétition. Toujours dire aux Ivoiriens d'être derrière nous, de nous soutenir comme ils ont toujours bien fait. Et il restera à nous maintenant de donner le maximum pour leur faire plaisir. Gervinho, Gouibi Syriac sont deux précieux renforts dont on attend beaucoup face aux Pays-Bas le 4 juin, mais aussi et surtout face à la Guinée le 10 juin en éliminatoire de la CAN 2019 à Boaké.